Hey, salut à toutes et à tous, c'est Tranu et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du tutoriel pour construire un château. Voilà notre nouveau château qu'on avait déjà bien avancé jusqu'ici. Et vous voyez qu'entre les deux épisodes, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rempli tout le sol comme je vous avais demandé de le faire. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire du moins le petit escalier pour monter jusque là et on va commencer le donjon. Donc comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me soutenir. Et on va commencer sans plus tarder. Du coup, si on se place ici et qu'on fait notre escalier qui monte assez tranquillement, hein, il va monter lentement. Mais moi je trouve ça plus sympa, parce qu'au moins on prend son temps pour monter et c'est pas mal. Du coup, pour cet escalier en question, l'idée, c'est qu'on va faire un petit dégradé. Donc pour ça, on met un demi-bloc ici, un bloc là et un demi-bloc au-dessus. Donc là on a normalement un bloc de différence de hauteur entre les deux. Et ensuite on est parti ici en mettant deux blocs. Et là en fait on va faire des piliers qui vont monter de un demi-bloc à chaque fois. Donc là on monte de un demi-bloc. Ensuite pareil on continue. Et ainsi de suite jusqu'à rejoindre l'autre côté. Hop. Et le dernier qui arrive donc ici. Ok, donc là on est bon. Maintenant l'idée, ça va être de venir commencer à faire l'escalier en question. Donc pour cet escalier, on va compter 4 demi-blocs. Et on va faire ça sur 2 cases de large pour pouvoir faire le bas finalement de l'escalier. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir se placer à un demi-bloc du haut, enfin du bas, pardon. Et hop, on va faire un carré de 4 par 4. De cette manière. Et ensuite, on va monter tranquillement en montant de 2 marches par 2 marches. Donc pour ça, enfin marche par marche, mais alors déjà ici, on va casser les petits trous pour pas qu'on les voit, ce sera plus esthétique. En fait, on va monter par demi-bloc à chaque fois et tous les deux. Donc là, on compte 2 et on en remet. Ensuite, on monte d'un demi-bloc et on remet 2 rangées. On continue, un demi-bloc, 2 rangées et normalement, on va arriver en haut sans souci. Hop, on arrive ici. Voilà. On continue. Et vous voyez qu'il ne reste plus qu'un niveau pour arriver directement hop, à la plateforme juste au-dessus. D'où l'intérêt d'avoir fait des bonnes dimensions au début. Voilà, donc là on arrive directement à l'étage. Et notre escalier est bien fait, du moins au niveau de sa forme. Maintenant il va falloir lui donner un petit peu plus d'allure. Et pour ça, on va venir mettre des escaliers de part et d'autre des espaces qu'on a laissés entre les colonnes. Donc on va aller chercher les escaliers en question. Voilà. Et ces escaliers, on va les placer à l'endroit, à l'envers comme ça, tout du long. Donc dès qu'on aura la possibilité, on en mettra un. Donc l'idée c'est qu'on en met 2 à la même hauteur. Ensuite celui du bas ne change pas, mais celui du haut prend un bloc de hauteur. Et on recommence, on fait ça 2 fois. Et après, pareil. Cette fois-ci on met 2 blocs d'espace. Donc on refait ça 2 fois. Et on finit avec un dernier qui lui sera à 3 blocs de hauteur par rapport au reste. Ça nous donne ça. Maintenant, on va aller combler les différents espaces qui restent derrière. Donc pour ça, pas de secret, il faut bourrer. Donc on remplit tout. Voilà. Et on laisse un espace pour pouvoir sortir. Hop. Voilà, donc comme ça il y a déjà un peu plus d'allure, il ressemble un peu plus à ce qu'on avait fait à côté. Et touche finale, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir tout simplement mettre quelques blocs de stone en bas pour donner toujours l'aspect vieilli. Donc pareil, on en met un peu partout, donc vous décidez d'où vous les mettez, de manière vraiment aléatoire. Voilà, par exemple on peut faire ça. Et en plus, ça fait un changement de motif, donc ça donne vraiment un peu plus de cachet au château. Donc ça, ça marque l'entrée qui nous permet d'arriver directement jusqu'ici. Et là, c'est vide, du coup il va falloir combler tout ça. Et on va commencer en faisant le donjon qui sera situé ici. Alors juste avant, on va quand même venir marquer la fin de l'escalier ici, ça peut être pas mal, du moins la fin du créneau. Comme ça, ça nous laisse 3 cases d'espace pour marcher, même 4 ici, ce qui est très confortable. Du coup, on avance et on va commencer à faire le premier donjon. Alors l'idée, c'est que je le fais à gauche, et ensuite il va falloir le reproduire à droite, à l'identique. Donc on le fait ensemble à gauche, après je vous laisserai le faire à droite par vous-même, évidemment, pour pas perdre trop de temps. Alors, on va faire des murets. Et des murets qui vont avoir une certaine hauteur que je vais calculer tout de suite. On va commencer avec 11 de haut. Du coup, on va se placer ici. Donc, c'est-à-dire un bloc derrière ce qu'on avait là. Et on va compter 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va refaire un deuxième pilier en diagonale de 11 blocs de haut lui aussi. Ça nous donne ça. Alors l'idée, c'est qu'on va faire des sortes de fortifications tout du long. Donc pour faire ces fortifications, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et au-dessus, on va venir mettre un escalier. Il y a un vieux son là. Ah, puis d'ailleurs, il y a une caverne qui traîne. Donc voilà, on met l'escalier. Ça nous donne ça. L'idée ensuite, c'est qu'on va étirer tout ça sur 15 blocs. Donc 1, en comptant celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et maintenant, il faut faire un grand mur. Donc... il va falloir tout remplir. Une fois qu'on a fait un grand mur comme ça, qui fait 15 blocs de long avec 11 blocs de haut de souvenirs tout du long, on bifurque en mettant un bloc en diagonale comme ça, et on va recompter à nouveau 11 blocs. 9 blocs, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On remonte ça jusqu'en haut, et après il faudra faire le côté arrière et le côté à gauche, mais comme c'est la même chose que ce qu'on va faire ici, on va commencer par ça. Donc je vous laisse faire tout ça et on se retrouve juste après. Ok, donc je viens de finir de faire les deux pans de mur et du coup on va tout de suite enchaîner en faisant les fortifications tout du long. Donc ce qu'on a fait là, on va le reproduire tous les deux blocs tout du long. Donc on fait des piliers à la même hauteur et on fait ça à chaque fois jusque le côté gauche. Normalement ça tombe bien, on est à l'extrémité. Donc au-dessus de ces piliers, on met à chaque fois les escaliers. Voilà, pour donner l'impression qu'ils rentrent dans la structure et qu'ils supportent vraiment bien. Et maintenant, on tourne à gauche et on continue. Hop. Voilà. Ce qui nous donne donc nos piliers pour soutenir la structure. Et maintenant, on va venir faire un petit peu de motif très rapide pour dire d'avoir du relief. Donc pour ça, on casse le bloc ici, on met un escalier à la place, on casse celui derrière et on met un escalier au-dessus. Et on va venir faire ça, une fois encore, tous les deux blocs. Voilà. On va jusqu'à l'extrémité. Ensuite, on va venir boucher tous les espaces du coup qui sont apparus et qui n'étaient pas là avant. Et on va venir faire la même chose sur la façade avant. Donc l'idée, c'est qu'on casse ces blocs-là et on vient mettre des renfoncements. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer un petit peu à la partie supérieure. Donc l'idée pour la partie supérieure, c'est qu'on va refaire le même motif que ce qu'on avait déjà fait ici précédemment. Donc pour ça, on va venir prendre du bois, forcément. Enfin, on va prendre un peu tous les matériaux dont on a besoin. Et on va tout de suite attaquer. Alors, on va faire donc ce pan de bâtiment. Et on va s'arrêter ici, on va rien mettre puisqu'il y aura une tour qui va être construite par la suite. Donc on va commencer ici. Hop, on va continuer à tirer tout ça sur la droite. On s'arrête à un bloc de l'extrémité. Et on fait la même chose ici. Du coup, vos escaliers normalement se retrouvent aux endroits où il n'y a pas de renfoncement. Et c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a fait tout ça, au-dessus des escaliers, on vient remettre les 3 blocs de bois habituels. Hop. Et entre chaque bloc de bois, on met les 2 blocs de laine pour pouvoir faire les différentes fenêtres. Voilà, on met les barrières pour finir les fenêtres. Ici, on n'oublie pas le côté extérieur. Et on recommence ici. Bloc de laine en bas et en haut à chaque fois, et les barrières pour combler et faire les fenêtres. On se retrouve donc avec ça. Et maintenant, l'idée, ça va être de venir faire une petite tour. Alors la petite tour, on va la faire en posant 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs comme ça, pour dire de faire une sorte de carré. En dessous, on va mettre... Alors, il faut que je change de matériaux. On va mettre un escalier vers le bas ici et un autre ici. Et là, on va mettre 2 blocs comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre un bloc en bas. Et entre les deux, on va mettre des murets. Pas les murets avec de la mousse, mais les murets classiques. Et on va venir faire un trait qui va relier le haut avec le bas. Et vous voyez que ça donne... un petit côté architectural vraiment sympa qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc là c'est cool, c'est bien, c'est beau. Et maintenant l'idée c'est qu'on va remettre une couche ici et on va commencer à faire la tour. Pour la tour, je vais prendre mon petit plan. Hop. Pour cette tour du coup on vient mettre 4 escaliers à l'envers comme ça. Évidemment, entre les escaliers, on met les demi-blocs. Ensuite, on vient mettre 1, 2, 3 blocs à chaque fois, 2 bûches de chaque côté. Ensuite, on fait les fenêtres. Hop. Voilà. Alors ici, on va boucher les trous pour que la fenêtre soit bien belle. On arrive donc à quelque chose comme ça. Et maintenant on va s'attaquer au toit. Une fois qu'on aura fait tout ça, on y va tout de suite. Non, on va y aller tout de suite, du moins pour le toit du coin ici. Alors on va prendre des blocs cette fois-ci. Touk si je les trouve. Évidemment, ils devaient être en haut, mais je les ai loupés. Ok, ils sont là. Alors, pour ces blocs, enfin pour ces toits, pardon, on va placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 escaliers comme ça. Ensuite, on se décale de 1 demi-bloc en dessous et on pose les demi-blocs en mettant un vers le haut à chaque fois. Ensuite, on vient hop, réaliser un carré comme ça, et au-dessus de ce carré en bloc, on vient faire un deuxième carré avec directement des escaliers. Une fois ce deuxième carré fait, on finit le travail en mettant un bloc puis un demi-bloc au-dessus. Et donc maintenant l'idée, c'est que je vais vous laisser refaire ce pan de mur de l'autre côté et celui-ci de ce côté-ci, avec à chaque fois les 4 petites tourelles au niveau des 4 côtés. Vous voyez qu'ici on a fait en sorte que vous n'ayez plus qu'à continuer les piliers qui sont déjà faits au sol et à les étirer à cette hauteur là. Donc on fait ça et on se retrouve juste après. Hop là, du coup j'ai reproduit les deux côtés comme je vous avais dit. Vous vous retrouvez avec ça. On voit bien qu'ici ça vient parfaitement se coller avec ce qu'on avait fait en dessous. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de stone, voilà, pour que ce soit continu et pas tout à fait droit, pour que ce soit un peu plus naturel. Ça nous donne ça. Et maintenant on va faire le toit. Alors toit qui est assez massif et assez gros, donc on va essayer d'être efficace. Donc, dans un premier temps, hop, on va faire une ligne avec comme ça des escaliers. Évidemment en dessous on refait notre ligne avec les demi-blocs et un deuxième demi-bloc au-dessus de chaque tronc. On fait la même chose à gauche. Voilà, donc pareil, je fais deux côtés et je vous laisse faire les deux autres. Donc on arrive là-dessus. Une fois que ça c'est fait, on va venir hop, refaire une deuxième rangée au-dessus. Donc on a une paire de rangées à faire, mais au moins on est à la deuxième ici. Alors pareil, on va pas prendre de retard, on va faire la deuxième sur le côté plus petit en même temps. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre un bloc comme ça. Et ici, un demi-bloc. Et là, on va casser pour mettre un bloc entier. C'est ce qui fait la jonction en fait. Donc on fait la même chose ici, un escalier, un demi-bloc et un bloc entier. Comme ça on fait vraiment quelque chose de continu entre la tour et le toit du bâtiment en lui-même. Donc on a dit demi-bloc et bloc entier ici. Et du coup demi-bloc, bloc entier et escalier. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire la troisième rangée. Voilà, pareil de l'autre côté évidemment. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va refaire une dernière rangée, puis après on fera autre chose. Enfin je dis une dernière rangée, mais j'espère que c'est une dernière rangée, j'en suis même pas sûr. Si c'est bon, c'est une dernière rangée. Voilà. Normalement, cette dernière rangée qu'on fait ici, elle doit venir se compléter avec l'autre. Comme ça. Donc on fait ça. Et maintenant, on va passer à la face supérieure du toit. Pour ce faire, on place des blocs comme ça. Et on va tout étirer. Ah oui, juste avant. Non, mais juste un bloc. Et on étire. Pas besoin de ça. Hop, on l'amène jusqu'ici. On fait pareil là. Comme ça, donc on fait bien attention à se décaler. Alors, je peux tracer directement ici pour qu'on puisse se repérer. Donc on imagine que j'ai ou que vous ayez fait le toit jusque là. Et on se retrouve avec ce rectangle-ci. Donc du coup, on continue le rectangle de cette manière. Et là, on va venir mettre une rangée d'escaliers tout du long. On tourne et on continue. On fait ça tout autour. Hop. Sans en mettre partout. Voilà. Et ensuite, alors, et ensuite on se rend compte que je me suis trompé d'un bloc. Donc la question c'est, est-ce qu'on remplace tout de suite ou pas? Ouais, il n'y en a pas pour longtemps. Ok, donc désolé, je me suis juste trompé d'un bloc. Donc l'idée c'est que on va rattraper ça rapidement, il n'y en a pas pour longtemps. On vient faire directement ça. Hop, on met les escaliers au-dessus, tout autour. Sauf au niveau des coins. Donc je vais les casser. Une fois qu'on a mis les escaliers là, on casse la rangée d'escaliers qu'on avait faite ici. Hop. Et on remplace tous les blocs ici par des escaliers. Donc vous voyez, il n'y en a pas pour longtemps, c'était une très petite erreur. Vite rattrapé. En fait, si on ne la corrigeait pas, le problème c'est que le toit aurait pu être un peu trop gros et un peu trop haut sur la fin, et ça aurait été moins harmonieux que ce qu'on avait à l'origine. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on vient se placer ici. Hop, on fait une ligne avec des blocs. Donc là on a une ligne simple entre guillemets. Et on va venir finir en plaçant deux escaliers vers la gauche et vers la droite comme ça, de part et d'autre du haut du toit. Et on se retrouve avec ça. Et donc ça, ça finit le toit ou presque. Pourquoi ou presque? Parce qu'on va venir faire des petites fenêtres qui ressortent. Pour faire ces petites fenêtres, en fait, on va venir se placer à deux blocs ici au niveau de la dernière rangée et on va placer un demi-bloc comme ça. On en place un deuxième et on vient mettre un escalier à gauche et un autre à droite. On casse celui-là, ce qui va venir faire directement la jonction entre les deux. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir casser l'escalier là. On va aller chercher du matos. Voilà. Oups. On a dit qu'on avait cassé l'escalier qui était là. On met un bloc ici de laine, un demi-bloc en bois et ici la fenêtre. Voilà. Donc un petit truc sympa. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on se place à deux blocs et on met deux demi-blocs là. On met un escalier à gauche, un à droite. On casse celui-là pour faire la jonction directement. On met un bloc de laine en bas, si j'y arrive. Un demi-bloc en bois foncé et on finit avec une barrière. Voilà, donc l'idée maintenant c'est de faire ça la même, de l'autre côté à gauche. Donc on remplit tout le trou ici, on le fait, on fait la même chose là. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et donc l'idée, ça va être de refaire la même chose, donc le même bâtiment, mais à gauche ici. Voilà, donc vous avez directement le tracé qui est déjà fait. Donc je vous laisse faire ça pour la prochaine vidéo et on se retrouvera pour faire la suite et essayer de... Je sais pas si on aura le temps de finir, mais essayer de bien avancer pour le finir au maximum en 5 épisodes. On fera peut-être un petit peu d'aménagement, on verra. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour l'épisode 4. Allez, ciao ciao tout le monde.